La méditation de ce 5 juin est intitulée « L'image de la bête formée ». Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui avait été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. L'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Dans l'Apocalypse 13, ce sujet nous est clairement présenté. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorait la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Apocalypse 13, 11 à 17. Telle est l'épreuve par laquelle doivent passer les enfants de Dieu avant d'être scellés. Tous ceux qui démontreront leur loyauté à Dieu par l'obéissance à sa loi et par le refus d'accepter un faux jour de repos se rassembleront sous la bannière du Seigneur Dieu Jéhovah et ils recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux qui renonceront à la vérité d'origine céleste et accepteront le repos dominical recevront la marque de la bête. Tandis qu'il était montré à Jean les dernières grandes luttes de l'Église avec les puissances terrestres, il lui fut aussi permis de contempler la victoire finale et la libération des fidèles. En regardant au-delà de la fumée et des grondements de la bataille, il contempla une armée sur le mont Sion avec l'agneau, portant, au lieu de la marque de la bête, son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, 1. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui avait été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Apocalypse 13, 14. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.